Bonsoir tout le monde, merci en pile parce qu'avec nous sous télévision nationale d'Haïti dans le sens, un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro émission ça. Là, on fait encore un bras souterrain, nous allons regarder comment ça y est, qui je travaille ou avancer, qui ça cap régler dans le cadre de caravane changement. Nous avons équipe nous visité plusieurs communes, plusieurs villes pendant le week-end ça. Et c'est avec image, nous allons voir qui j'ai en réalité à présenter, garder tout et réaction population, garder, n'est-ce pas, impact travail ça ou gagner sous divers communauté côté travail à exécuter. Pour la petite chance, Baou, voyage après le très long assoya, en pile image pour aider au mieux comprendre la réalité caravane sous terrain. On a parlé avec Richardson Joudan pour nous démarrer. Richardson Joudan qui était dans le nord, qui était dans le nord-est week-end ça. Richardson va dire exactement ça, et ensemble de communes qui ont visité, qui ont travaillé, avancé et qui ont population zone ça, comprendre l'initiative ça, comprendre la stratégie ça. Qui c'est caravane changement. Richardson, bonsoir. Bonsoir Sergio Lindor, bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti. Nous connaissons, c'est chaque week-end, c'est comme ça, TNHVD, nous dans tout le pays, en façon pour capable faire, population, ouais, ensemble, travail capable réaliser dans le cadre de caravane changement. Week-end ça, nous étions nous dans le département nord pays. Premier côté, nous étions allés, c'était dans la commune, en dans cette ville-là même. On a un béton qui a coulé en dans la ville-là. Nous étions allés regarder dans qui phase béton ça, oui, comment travailler en dans la ville B. Après, nous sommes rendus sur la route nationale, là, sorti de, on peut pas dire, Kankok, Limbé, jusqu'à Vaudreuil. Il y a un travail qui a fait sur la route. Là, nous avons regardé qui avance et qui fait dans le cadre de travail. Ça, nous avons pris l'image et avec l'image, la population va laisser comprendre qui travaille cap fait sur route ça. Après nous avons parlé avec député commune, lui-même qui te font un bilan de divers travaux qui ont fait dans la commune. Il dit que c'est grâce à caravane changement qui fait un travail ça qui a fait dans la commune. Nous avons rendu nous tout sur route plaisance Kankok là, c'est même bagaille. Nous avons regardé l'image pour montrer la population qui travaille cap fait sortir de plaisance privée Kankok. Après ça, nous avons été là, nous avons allé dans la zone Fort Saint-Michel. Nous connaissons dans Fort Saint-Michel, il y a plusieurs rues là, il y a un paquet de qui est en fait en dans Fort Saint-Michel. Il y a plusieurs qui sont déjà bétonnés, il y a d'autres qui tout travaillent et beaucoup fini. Avec image encore, la population pour aller qui doit avancer, qui est en fait en dans Fort Saint-Michel. Par rapport avec Jean Mounio, qui connaît zone ZAD, c'est une zone qui n'est pas bon longtemps. Image pour le faire comprendre qui s'est déjà fait dans le cadre de caravane de changement. Nous ne traiter là seulement, nous connaissons, ce n'est pas seulement en route, ce n'est pas seulement TPTC qui est impliqué dans les affaires de caravane de changement. Le ministère de l'Environnement est là dans le tout. Nous sommes avec le directeur départemental Nord-Est. Ministère de l'Environnement, lui-même qui parle, nous qui prenons un bilan des divers travaux déjà faits dans le département Nord-Est. Nous parlons tout avec le directeur départemental Environnement Nord, là, qui parle de ça vous fait déjà et puis qui ça vous gagne en perspective. Nous ne sommes pas là, nous sommes tournés. Nous sommes allés dans la zone tarinage. Nous connaissons un béton qui était déjà à couler dans la zone ça, un béton qui continue à couler. Nous avons regardé dans qui point de travail. C'est toute équipe là qui était mobilisée pendant le week-end dans ce journal d'or. Richardson Joudan pour Télévision Nationale d'Haïti. Personne dégâts avec Lilo Ord, Ali Jean-Jacques, monsieur Fampil Commune, week-end ça, image déjà parée. Premier côté, nous allons visiter téléspectatrices, téléspectateurs, c'est Limbé. Limbé avec travail bétonnage qui a fait ce route-là. Richardson, qui parle avec technicien, lui parle avec monde de la population, image disponible. On a ensemble qui vient s'aider pour route Limbé. On a continué à montrer la population ensemble travail qu'a réalisé dans le cadre de caravane changement dans le département nord pays. Là, nous sommes sur Kankok, passer l'imbé pour Albout, Vaudreuil. Sur ça, c'est technicien travaux publics, transport, communication qui est là-dedans avec CNE. Ils ont mobilisé depuis matin là, ils sont là, ils ont travaillé. Nous avons une image là, avec image, on a continué à montrer la population qui ça a fait dans le cadre de caravane changement. Image, vous allez parler, gardez avec nous.
nos pays, hein, ça qui déjà a une idée de travail qu'a fait dans le département ça, dans la zone ça particulièrement, image au palais, nous connaissons déjà une image vaut mille mots, via image au, n'a pas très certainement et mieux comprendre qui sa réalité aille, qui vient, n'est-ce pas, eh bien, l'équipe Caravane avancé sous divers chantiers qui gagnent dans le pays, pas billet, depuis après lancement Caravane dans tout le pays, à 7 février que se passé, à toute direction départementale au travail, et au gain des objectifs clairs qui fixés et au fur et à mesure, selon Jean-Président République là, te souligné le gagnant, évaluation qu'a fait pour qui côté y est par rapport à ça que tu as gagné comme objectif. N'a toujours été dans le nord, n'a toujours été l'imbé, là nous allons dans centre-ville l'imbé, et il semblait qu'un travail bétonnage qui démarrait dans centre-ville l'imbé ce maintenant, et week-end là, tu es un astral fourni, j'ai regardé, image au pareil, Richardson Jourdain, Laurent Dali, Jean-Jacques, pour aller aider nous comprendre ça qu'a fait dans centre-ville l'imbé, dans 4 caravanes. Week-end ça encore, télévision nationale d'Haïti souterrain pour fournir, j'ai regardé et puis montrer la population ensemble le travail qu'a réalisé dans le cadre de caravane changement. Là, nous trouvons nous dans la commune de Lembe, dans cette ville-là même, côté il y a plusieurs rues qui ont bétonné là. Nous venons là, nous venons regarder, nous voulons parler de la population, nous même qui voulons dire nous comment le travail bétonnage ça a fait dans cette ville de Lembe. Nous invitons à suivre. Le travail ça a fait là, son travail qu'a fait pour la population l'imbé. Or, dans la façon qu'elle a fait là, son bail qui gagne en pile garantie là-dedans. Qui garantit le gagne? C'est un béton armé. Deuxièmement, c'est un béton qui gagne une épaisseur de 20 cm. Donc, et non toute planche où nous mettez. Qui découpe béton, qui est le joint dilatation, c'est ça qui fait nous lier, fait pour entrer des bétons. Donc c'est ça qui permet que, et non seulement béton, tout son béton de 350 qui a recevoir n'importe quoi à l'aise. Ça veut dire, même les tabagons de l'eau qui a passé, il va pas avoir aucun problème. Même les tabagons de l'eau, il ne va pas en rien parce que non seulement nous gagnons qu'à niveau. Il y a des gens qui connaissent Caniveau, c'est pour Régoa. Non. Caniveau, c'est un canal qui passe dans le coin béton. Hein. C'est lui, ça veut dire qu'après, il y a un Caniveau, les deux bords. Donc, après, il jette de l'eau. Selon la dimension, côté de l'eau tombe, il y a un côté, c'est point haut. Des points haut, on va diviser de l'eau en deux parties. Puis, vous voyez, ça veut dire qu'immédiatement, dans le point haut, il vient de deux avales. Quand le béton finit de couler dans tout le là, après, côté de l'eau a tombé, l'eau n'a pas côté de l'abdomen. Non, immédiatement, le béton finit de couler dans tout le rio, ou pas qu'il y ait de l'eau crétée parce que non seulement, au bon béton qui est bien fait, qui est bien incliné, et non, qui gagne de 6 mètres.
Pour pas pour président Jovenel Moïse, nous avons un gros problème dans l'Embé. Sous tant de pays marécage, c'est l'Embé Irélé. Les lapins fait tout le cas inondé. Moi qui parle là, c'est mon l'Embé mieux. C'est dans la même elle la travail là, comment c'est là? C'est là-dedans, ma parle là. L'aime tout ça, même si Jovenel Moïse n'a pas fait rien pour moi encore, même qu'a dit me réaliser, merci Jovenel Moïse. Ça, c'était pour Centre-Ville, l'Embé, travail et bétonnage qui termine ce maintenant. Et là, ouais, comment ça y est pour week-end avec l'équipe nous qui votait Imajo. Nous avons des précisions techniciens qui travaillent sur le chantier qui expliquaient la qualité de travail à faire et l'impact de travail après le gagner. Nous avons des réactions, nous avons de la population hein, qui retourne sous Jean Saté avant et qui dit mais comment ça a commencé et comment le quoi ça va lier après le travail fini. Et là, nous souhaitons, M. Damio, avancer et avant longtemps, yo remettre route ça en bonne et du forme. On va continuer à regarder comment ça y est. Fassan va parler avec député Lembé, député Franzi Louis, qui lui-même va dire nous, eh ben, et comment le comprendre, ensemble de travail qu'a réalisé dans la circonscription liée, et dans qui sens si quoi travail ça est capable de faire une différence, parce que c'est ça, finalité à doyer, finalité à c'est arriver à faire une différence dans la vie communautaire. Faire sûr que, bon, bah, qui part là, qui vient là, qu'on y a, ça qui est capable de l'espoir à moun qui vivre dans la zone. Ça. Nous t'es parlé avec député Louis et lui-même, il prend une impression lui et pourquoi pas dégager ensemble perspective pour circonscription Lembé. Tu as répondu à une question collaborateur nous, Richardson Jourdan et puis Laurent Darly Jean-Jacques. Toujours dans l'idée pour faire la population qu'on est ensemble tabac à réaliser à travers le pays dans le cadre de caravane de changement. Là, nous trouvons nous dans la commune Lembé. Nous avons avec nous le député commune qui est Franzi Louis. Lui-même qui parle dit nous comment dire le travail ça a fait dans la commune. Député Franzi Louis, t'es dirigeant national d'Haïti, salut. Et moi, salut tout le monde qui a écouté nous avant le moment ça là. Et non pas moi, c'est Franzi Louis, j'en ai dit là. Et je dis à son plaisir pour tout le monde dans la commune Lembé qui vient de bétonner ça, qui a fait dans moment là, parce que la caravane est arrivée sous nous tapons ça et nous, la population, bien apprécié ce geste-là et nous demandons des présidents de continuer le travail. Nous-mêmes, nous souhaitons le travail, ça continue sans camper, parce que nous prenons ça à l'autre zone, nous avons commencé à faire même gens. L'imbé tout, nous pas souhaité pour commencer, pour camper. Nous demandons plus d'accompagnement, supportez-nous, pour que toute fille soit capable de joindre ça au besoin à temps, pour que l'imbé bénéficie du projet, effectivement, j'en prévois là. Là, on parle de nous, là, comment vous avez oui, ça a été l'avenir de Saline. C'est une équipe plus longue dans la commune pour bétonnage là. Et nous comptons monter dans la zone moulin, zone délevé, zone canal, zone tama. Ça veut dire que c'est toute cette ville là net, nous souhaitons qu'il bétonne. Je ne veux dire là, béton déjà coulé dans ça. Bon, appréciation des travailleurs déjà démarré là. Je pense que nous-mêmes, comme journalistes, nous devons voir ça. J'en ai une population campée là. Bien, mon travail là, c'est parce qu'il y a travail. Mais c'est des gens qui ont suivi le ciment, qui ont suivi le matériau, qui ont suivi les gens qui ne peuvent pas travailler. C'est des gens qui viennent pour te supporter, pour le projet, pour dire président, il y a supporté. Pour dire député, il y a supporté parce qu'ils croient dans le projet et ils aiment le projet.
C'est depuis qu'il y a une intervention qui fait dans la commune ça. Pas de compte qu'il travaille ça longtemps là. T'es qu'on y travaille longtemps, mais pas de jambon travail qui fait dans un niveau rapide comme ça, pour nous travailler la journée, pour nous travailler la nuit. C'est grâce à la caravane qui fait aujourd'hui à là, nous avons un bétonnage ni la journée ni la nuit ça campé. Qui j'en vois population travail ça qu'a fait là? Ah, population dépassé content. Parce que y'a pas de jambon senti vent caravane dans le département, dans la commune, la caïnouan. Mais aujourd'hui à là, tout le monde n'en fout, tout le monde l'imbé. Comprendre vent changement ça, livrer tout bon vrai. Et maintenant, des présidents, moi-même, c'est débuté l'imbé, bas l'imbé. C'est pas seulement bon bétonnage l'imbé, m'ta souhaité le penser tout. Même à 2 km pour moun bas l'imbé, même j'en nous connais la demande déjà. Pour que vous ayez 14 km asphalt, dans le cas où vous avez arrivé dans le bord de Balembe, nous demandons au président, comme Balembe c'est voté le tout, même Jacques Moulembe, même si j'ai une quantité pour Balembe, nous avons ajouté dans la commune Balembe un déclot en béton. Pour que moun Balembe soit capable, ce n'est pas celle Limbe débuté à supporter, ce n'est pas celle Limbe président à supporter, c'est ni Limbe ni Balembe. C'est plusieurs rues dans la commune à bétonner. C'est centre-ville là, net cap bétonné. Pour ne pas dire toute Limbe, mais centre-ville là, nous connaissons toute rue qui a commencé, ou qui va commencer, il n'y a pas de béton. C'est ça qui nous conclut, c'est ça qui nous ouais, qui peut le faire. Bon, à part de centre-ville là et route nationale là, même nous, il y a un travail qui a fait sur route là tout. Oui, combien de Limbe en chantier? Route nationale là, a fait là. Centre-ville là, a fait. Nous souhaitons penser à la section communale pour que nous ayons des bagages dans chaque section pour que les paysans qui ont voté commencent à allons souffle pour que le changement vienne de vrai. Parce que caravane de changement, il n'est pas pour un groupe de monde, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas centre-ville seulement, j'ai besoin de section, mais il faut qu'on ait priorité en pile, même à un limité. Il faut que les sections font titane pour qu'on ait, même dans une centre-ville, on a privé sur eux. Parce que le président a une volonté pour le travail, c'est une belle chance pour le travail et nous supporter toute action gouvernementale. Pour nous voir comment nous avons atterri tout bon vrai. Mais vous sortez nous là, l'imbé dit en chantier. L'imbé en chantier et toute population accepte et est d'accord. J'ai un projet à démarrer, j'ai un travail dans la commune et j'ai un président à travailler dans le pays. Le travail déjà démarré, vous souhaitez que vous travaillez continuer. Le travail déjà démarré et nous avons d'arriver nous filmer ça qui fait déjà pour que les gens qui à travers notre commune soient capables de voir qui ça caravane a fait dans la commune l'imbé. Sougué mon message, ça tape la débité, Fanny. Ça m'a dit pour tout le monde, Aïssé Baré, moi, c'est collaborer, en ne pas craser briser par rapport à Jean Moun a fait, a pensé pour faire craser briser des fois, Moun, ben, voulez que les barrières personnelles, ils passent par un grain de Moun, ils passent par des trois bases pour craser le pays. Moi, nous ne connais ça. Nous croyons que les barrières qui vivent, c'est pas fait. C'est vrai, mais nous sommes d'accord tout, faut tout le monde connaître, les pays à craser, c'est pas Jean Moun qui a craser, c'est pas débité à craser, c'est pas ministre qui a craser, mais c'est tout Aïssé qui a victime. Jodi à la fois, Aïssé pas conscient. N'a crasé briser c'est bac n'a fait en construit pays ensemble pour que nous capables développer pays avec président avec autorité et autorité tout dans chaque zone pour prendre plus conscience pour que nous avons peuple qui a souffert. Merci beaucoup. Merci. Nous faisons un gros zoom sur l'Imbé et à Skoya dans le cadre de l'émission. Nous sommes sur la route là, nous sommes ici dans le centre-ville. Et là, nous parlons avec le député Franzi Louis qui lui-même explique nous l'importance du travail ça a gagné pour la communauté et la nécessité pour que le travail avance, pour continuer, pour ne pas camper dans la route. Et puis bon, un message qui allait dans le sens pour la stabilité, ça qui pourra permettre ensemble le travail qui a commencé, il y aura poursuivre dans l'intérêt de la population. Alors, à taper un signe lien, et Samuel l'a redit comme Haïti, c'est résultat ensemble de choix, hein, ensemble de réflexes que nous développons pendant l'année passée, et qui fait que c'est Samuel là, et c'est qui fait que c'est ça que fait, c'est là nous y est toujours. Maintenant, si nous devons renverser le temps d'instant, nous avons besoin de faire de le choix, nous avons besoin de l'autre réflexe, et qui pourrait aller dans le sens la paix, qui pourrait aller dans le sens concorde, qui pourrait aller dans le sens vivre ensemble, qui pourrait aller dans le sens harmonie, qui pourrait aller dans le sens respect l'une pour l'autre, qui pourrait aller dans le sens tout, on s'y attend une culture de tolérance. Nous venons de parler d'un même genre, même pas obligé de caser une autre pour ça. Nous avons toujours discuté, regarder qui ça nous capable de sortir pour le bien de notre cher Haïti.
N'a toujours été dans le nord du pays, nous prenons le Fort Saint-Michel, c'est-à-dire qu'on s'en travaille depuis plusieurs semaines, qui démarrait dans la zone ça, et plusieurs rues dans le Fort, il y a un travail bétonnage qui t'a fait. Week-end ça, nous retournons avec Jourdan et puis le roi d'Ali Jean-Jacques, nous prenons regarder en image travail qui est déjà fait dans diverses rues dans le Fort Saint-Michel, dans la deuxième ville pays à Cap-Haïtien, avec l'équipe nous qui est sous place. Nous trouvons nous qu'on y a dans Cap-Haïtien, précisément dans la zone Fort Saint-Michel. Zone Fort Saint-Michel, nous connaissons, il y a plusieurs rues là-dedans. Il y a un travail qui t'a fait dans la rue Sayo, travail bétonnage qui était déjà démarré dans plusieurs rues dans la zone Fort Saint-Michel. Dans la rue Sayo, il y a un côté travail qui est en fini, mais il y a un côté tout travail avancé. Mais les gens qui habitent fréquentent la zone ça, qu'on est dans qui est la zone ça, c'est qu'on a un peu de l'eau avec la boue qui est dans la zone ça. Mais grâce avec caravane changement, nous sommes capables de dire qu'il y a un paquet de rues, un paquet de zones qui est en bétonné là. C'est ça que nous venons là. Nous venons faire un coup de dé avec image, nous voulons quitter la population, image, ou même quitter qu'on fait quelques zones ça, nous finissons garder l'image, ou à guetter en qui ça a avant le changement, guetter en fait dans la zone Fort Saint-Michel. Nous invitons à suivre. Travail ça, nous garder le travail qui est déjà fait, nous garder tout, qui a coûté que le travail a pu poursuivre. Alors, c'est ça l'idée, hein. C'est aider nous, ça qu'a fait, mais aider tout, regarder qui ça qu'a beaucoup fait. Ça qui pourrait très certainement permettre l'équipe de coordination caravane d'un point l'autre, et puis pour aller agir en conséquence. Parce que, population, vous voulez, à ce que différence en fait, elle fait tout bon vrai. Alors, ensemble, le travail qui commence, il faut qu'il continue et il faut qu'il arrive jusqu'à l'inauguration. Ça qui pourrait permettre différence que nous souhaitons à l'étourner en réalité. Après, dans le département nord, là, nous prenons les carénages. Quelques semaines de centre de carénage, puisque route ça a aidé à déboucher son centre de l'autre zone dans le département nord. Comment ça va au week-end là? Est-ce que M. Damio était avancé? Si vous avancez dans qui niveau vous voyez, image au bras, tout détail, ça va vous dire.
Nous toujours dans la ville Cap-Haïtien, précisément dans la zone carénage. Nous connaissons ça il y a longtemps, il y a un travail de bétonnage qui était déjà démarré dans la zone ça. Travail n'a pas campé, tout le week-end ça, travail a continué, c'est béton qui a continué à couler dans la zone, il vient juste dans le monde. Nous là, nous venons regarder qui avancement qui fait dans le travail ça. Nous allons parler avec nous, même qui va dire nous comment nous travaillons, nous invitons aussi. Femme plaisir, c'est le fait que les hommes n'ont pas travaillé paisiblement. Nous n'avons pas rencontré aucun obstacle et de plus, nous sommes patients que nous croyons que nous-mêmes nous avons un bon barrage. Et jusqu'à présent, que nous-mêmes nous sommes très satisfaits, nous avons avancé très bien avec béton. Comme nous sommes venus tout dernièrement, nous avons pourquoi il y a un béton. Et là, c'était un quadrature avec le coffrage acté là. Maintenant qu'on a commencé à couvrir la surface avec béton. Et sur toute longueur, on a mis le béton là, jusqu'à ce que nous venions maintenant. Oui, on a mis le béton toute longueur, comme nous t'ai dit déjà. On a mis le béton toute longueur là. C'est notre finition, nous, là, actuellement là. Et dis-nous, comment c'est satisfait de travailler? Oui, très satisfait, parce qu'il faut mettre en finition là, et puis pour nous déplacer, pour nous de l'autre côté, parce que c'est objectif à pouvoir, c'est ça, pour avancer avec le service travail que nous avons fait. Mais qui garantit que nous avons ce travail? Est-ce que nous avons son travail qui capte un bon bout de temps là? Oui, et si nous regardons l'épaisseur et béton déposé, nous déposons béton là plus de 25 cm. Parce que ça fait ça, parce que le sol là pas de bon. On peut parfois faire des côtés qui me joignent des marquages là boue. Je suis obligé de faire traitement et puis de mettre béton là correctement. Et monsieur, si c'est quelqu'un soit pour la loi qui a passé là. Après c'est travail la capote là, c'est bel travail et tout le monde applaudit, président. Président travail et tout le monde applaudit, bravo. Bravo. Là, nous avons les B dans le carénage et ce qui va pour le travail, on a commencé longtemps. Près de 350 mètres de travaux qui ont fait bétonnage. Et l'importance que vous avez, il y a plus d'importance parce que son route qui ont une importance commerciale. Parce que l'Iro est lié, trois jonctions pour trois hôtels qui envoient trois hôtels majeurs. Et routes ça, son tronçon qui est très important, tu vois, pour la ville du Cap-Haïtien, au point de vue commercial, pour les touristes. Et je pense que on met ça, je me dis et tout. Gagner exutoire, après route ça fin fait là. Il y a un travail pour qu'il fait en amont. Pour qui empêcher que nous qui étions arabes là descendent, boucher, ou à yo, canal yo. Ouais. Et nous pensons que l'exutoire qui gagne de
rue 27, bord Malorin, rue 26, pour qu'il t'a fait pour empêcher que l'aide, l'eau, la pluie, pour que l'alluvion qui a descendu passe pour la descendre exactement avec ce droit dans la mer. Il faut creuser le canal Saint-Esprit qui est rue 28. Il faut creuser le canal tout dans la région encore qui va être tout problème, ça va arriver. Cela veut dire que ça cause que l'air à la pluie a tombé, n'importe si fine millimètre de pluie que nous gagnons, eh bien, ou une inondation dans la ville au Cap. Cela veut dire que non seulement le travail bétonnage a fait dans la ville, ce qui est très bien avec Caravane qui a avancé, mais en même temps, tout, il faut que le président pense faire un travail en amont. Ou aller vers voir par TPTC, ou dire, monsieur, dans le même caravane, il faut faire travail là quand même pour que la viabilité de béton, il même baille plus de temps qu'il est capable de prévoir. 20 ans, ça va 20 ans, ça dépend de gens qui vont continuer de travailler là pour faire que la chaussée a lui-même livre en temps durable pour nous. Voilà, c'est comme ça la réalité à présenter dans la zone carénage. Nous, c'est béton qui continue à mettre sous toute longueur et puis arriver dans le monde. Nous parlons avec Forman, nous parlons avec les gens qui vivent dans la zone. Qui montre qui est important ce travail ça pour nous. Parce que longtemps, l'aide de qu'on descend dans le carénage, il était comme un problème. Mais avec l'expérience que nous avons fait là, dans le jour passé, là, malgré que le travail est beaucoup fini, il y a de l'eau, il va avoir un problème encore. C'est ça qui fait qu'on est apte pour travailler, tu as fini net net. C'était Richard Son Joudan pour la télévision nationale d'Haïti. Alors là, et nous avons une population qui apprécie le travail qu'a fait au niveau carénage et qui attire l'attention sur l'autre travail qu'on a fait pour arriver à protéger sa capette. Alors ça, c'est une remarque assez importante et nous devons souligner les gens qui approprié de sa capette. Alors il fait des remarques qui allaient dans le sens pour protéger, pas des remarques qui pour déranger ou bien pour détruire forcément le travail là, mais des remarques qui sont capables d'aider mais sa capette là, nous qu'un pour un pile temps, puisque de toute manière c'est moun nan zone qui pral profiter de lui, de toute manière c'est moun nan zone qui pral utiliser route cap construit. C'est j'en te dit dans le commencement de l'émission, c'est pour faire une différence dans la communauté, c'est pour changer visage communauté yo, et ça qui pral très certainement permettre production moun yo sorti non point et allons l'autre, ça tout qui pral attirer touristes vin garder, ça tout qui capable attirer investissement, parce que au fait nous besoin ça pour nous créer richesse, pour nous créer opportunité, et ça qui très certainement rebaille l'espoir à jeunes particuliers. Même quoi, c'est dans la ligne ça, nous avons besoin de travailler l'idée pour que nous rebaille l'espoir à jeunes, nous rebaille l'espoir haïtien. Mais pour ça fait, nous avons besoin chaque monde à niveau paillot fait ça ou le faire, parce que au final, depuis c'est Haïti qui informe la répercussion sur nous toutes. Et quoi, c'est ça l'idée, c'est travail, nous chaque n'en partie par nous pour que Haïti pote bien. On était toujours dans le département nord pays. Là, on peut aller sous tronçon Plaisance-Kankok. Oui, Plaisance-Kankok, son tronçon, il y a un travail qui était annoncé depuis quelques temps. Il y a un travail tout qui est démarré depuis quelques temps. Week-end, ça, nous avons fourni, j'ai gardé pour nous voir dans quel niveau. Et monsieur, dame, et cap travail sous tronçon où ça a avancé à quel chantier. Qui s'est fait, qui s'est pour fait, qui s'est pourquoi fait. C'est tout ça, nous avons gagné dans l'image avec Richard Son Joudan et puis Laurent d'Ali Jean-Jacques Cunha. Nous toujours dans le département nord pays d'Haïti. Là, nous sommes national là. De Plaisance à Kankok. Nous remarquons qu'il y a un paquet de travail qui a fait sur route ça. C'est ça que fait nous là, avec Imajo, nous allons inviter la population à regarder avec nous. Laissez-la essayer de comprendre et puis y'a comment la réalité est dans le département nord pays, précisément sur route Plaisance à Kankok là. Imajo, nous allons parler, nous invitons à regarder avec nous comment ça.
Richard Fonjoudan a déjà annoncé l'introduction à Soya et Caravane Changement a gagné plusieurs volets. Il a souligné son stratégie qui doit permettre à la population de jouer un service, service plus vite. Stratégie qui propose des techniques pour l'adresser ensemble problème que la population fait face depuis quelques temps et problème qui est sans solution. Et bien là, Caravane a souhaité, pendant et présent si dans la zone côté où il y a solution, ça a arrivé pour te, et pourquoi pas des solutions appropriées. Là, nous allons aller avec le responsable ministère de l'Environnement dans le département Nord qui va l'expliquer nous qui ça, au niveau ministère, ça y a fait hein, pour le niveau département. Et nous connaissons Haïti très vulnérable par rapport avec l'aléa qu'il y a à la question environnement. Et nous, dans la période cyclone, et il y a une dynamique tout qui met en place pour établir une série de centres germoplasmes et de propagation végétale. Pas oublier chef de l'État, parce que je peux annoncer l'année académique qui a privé là, ben, reboisement doit tourner une matière obligatoire. C'est ensemble de défis, ministère ça a gagné pour lever, n'est-ce pas, et dans le jour qui a fini là, et très certainement, Richard Sonjoudan, dans le cadre d'entrevue ça, garder éléments ça, garder paramètres ça, avec directeur, qui même tout dégager perspective dans le cadre de travail ministère de l'Environnement à réaliser dans le département de notre pays. Dans le lycée Fontesconi, Joseph, l'État répond à une question Jourdan à Darly Jean-Jacques, en nation. Ministère environnement, nous connaissons un ministère qui est impliqué dans les affaires caravane changement. Pour nous connaître qui ça qui fait déjà, qui ça qui a bien pour faire, nous avons avec un directeur départemental environnement Nord, lui-même qui va le bon bilan des diverses activités qui ont déjà réalisé dans la région Nord là, avec qui ça a gagné en perspective. Quand est-ce qu'on est salué télévision nationale et au nom de la direction départementale ministère de l'environnement, nous profiter de moment ça pour nous présenter bilan ça nous fait déjà avec le ministère de l'environnement dans Nord et activité nous gagne qui en cours. Oui, qui ça nous fait déjà, directeur? Ok, pour moi, décembre qui était passé, décembre année passée, nous avons fait une activité quartier PAM propre dans les 19 communes, côté qui était 10 équipes à 9 monde pour chaque commune qui travaille. Nous avons fait avec plusieurs objectifs. Un, pour nous nettoyer la ria dans 19 communes qui sont dans le deux, c'est pour mettre mettre cob aussi dans poche moun yo dans période fête là. Ça c'est une première activité que nous avons fait. Une activité qui est durable que nous avons là, une activité importante, c'est construction sans germoplasme là, qui a produit 4.5 millions de plantules par an. Construction commence dans la localité Grand Pré qui pour commune Milo. Kapka sans germoplasme là bon pratiquement ta doué fini il ta doué fini en août mais à cause de quelques petits problèmes fait que construction continue en attendant que nous joignons l'autre date pour que nous fassions inauguration. Et pour sans germoplasme qui dans Grand Pré dans qui phase numéro là actuellement c'est dans phase construction bâtiment administratif et puis construction germoyau c'est dans phase ça nous là. On parle nous de un programme quartier pop qui nous t'ai fait mais qui impact nous ça t'ai bail. Bon, en termes d'impact, c'est que pour période Noël là, ou une période fête là jusqu'à janvier, l'aria était propre, même mon yo tout et je n'ai pas mis dans le poche pour te fêter pendant la période là. Nous avons une question environnement et une gros cause. Il y a un pile problème, un pile monde a parlé de tout le temps. Mais pour le département Nord, comment ça y est maintenant? Bon, département Nord, c'est un département qui a de problèmes environnementaux graves. Je prends le cas de Cap-Haïtien qui est une commune qui est plus importante en termes de population du département Nord. Qui gagne son commune à chaque fois la pluie tombée, inondé temps, il y a temps inondé. Et il y a une véritable cause, ça, c'est gestion bassin versant haut du Cap, son mauvaise gestion bassin versant haut du Cap. Et dans la mauvaise gestion, un élément important, c'est monocap. Construction faite de manière anarchique, à chaque fois qu'il y a la pluie, sol n'a pas conservé de tonnes de sol tombées dans le canot de drainage et automatiquement au Cap inondé. Maintenant, il y a deux propositions que nous avons faites, nous avons discuté avec plusieurs partenaires. Par exemple, il y a une proposition pour que nous mettions une ligne rouge. Une ligne rouge dans le monde pour nous définir une ligne rouge qui permet que nous ne pas continuer à monter plus haut.
et deuxièmement pour nous garder avec tout acteur yo comment nous t'a lancé une enquête pour nous identifier kayo pour nous garder qui monde qui mérite déplacer à court terme à moyen terme et à long terme. Ça c'est des propositions qui sont table là qu'à discuter avec tout acteur yo en attendant que nous joignions un modus operandi pour nous avancer. Avec proposition ça qui sous table là, vous pensez ça capable porter une solution bien amélioration. Si nous arrivons à gérer monocap, n'a rivé réduire risque inondation ou auto cap haïtien jusqu'à 70 à 80% parce que monocap c'est lui qui est véritable responsable ça cap fait là. Mais question bassin versant ou même. Oui oui. Non parce que monocap fait partie du bassin versant rivière ou du cap. Or c'est mauvaise gestion en partie en amont bassin versant qui mettait nous dans situation sans aval. Toujours un vélo capable inonder, mais c'est parce que une mauvaise gestion en amont. Mais toute action nous fait déjà dans année passée, nous toujours faire des actions en aval sans que nous pas faire des actions en amont pour nous attaquer problème là réel. Et c'est ça que fait jusqu'à présent gros action nous fait en aval yo pas de meilleurs résultats. Nous besoin aménager monocap. Et nous besoin aussi drainer rivière Oduka parce que Oduka aujourd'hui a il y a 2 tonnes de sol qui plein n'importe il a pu tomber non et monter t'es gagné rappelez-moi que dans mairie au cap t'es en discussion avec un projet qui t'est doué un projet il est M dur qui t'est doué drainer et rivière Oduka mais drainer rivière Oduka pas solution seulement parce que moi dans toujours été même janvier c'est-à-dire quand là puis tombe encore 2 tonnes de sol pour tomber dans rivière recouvrir j'ai même soudainé. Elle dit nous pas gagne l'autre choix n'obliger aborder question mode nos cap là. Oui, ça c'est pour commune pour cap haïtien mais l'autre et l'autre commune. Les autres communes. Gagne par exemple si on prend Grand Rivière du Nord, entre Grand Rivière et Baron, il y a un problème qui gagne de l'eau Grand Rivière qui est monté coupé route là dans certaines sections communales. Jodi a gen projet PMDN qui gagne de travaux que l'a fait de travaux de gabionnage etc que l'a fait pour protéger et les grandes rivières pour pas monter sur route là. Mais problème environnement ministère de l'environnement c'est un ministère transversal activité environnementale des activités transversales c'est-à-dire tout le monde concerné. Problème environnement réellement pas seulement lié à action à action physique pour nous faire mais il y a un problème d'éducation aussi. Et ça fait il y a un bagage qui dans feuille de route et ministère là te gagné dans gouvernement, c'était appuyer l'éducation environnementale. Gagnon accord qui s'y entre ministère de l'éducation ministère de l'environnement afin que reboisement et reforestation vienne tourner yon cours dans l'école classique que nous commencer implémenter dans nord. Nous commençons à implémenter dans nord. Nous avons réalisé avec DPC, ça nous relie un génie environnemental, un jeu environnemental, côté que nous prenons l'école nationale qui est dans une zone qui est plus à risque. Tant que Petit Anse, Bel Air, etc. Nous commençons à faire, nous gagnons des stagiaires qui ont fait des formations pour nous dans des écoles sur reboisement. Il y a deux petits même des élèves qui participent dans planter puis brandir dans l'école, etc. Et nous pensons avancer, nous pensons pousser l'activité. Ça fait partie de sensibilisation. Oui, ça fait partie de l'éducation et sensibilisation environnementale. Nous pensons pousser l'activité, nous commençons à regarder avec quelques partenaires tels que Kemonix, projet Kemonix, projet UERP qui dans nord. Comment le cas aider nous prendre 4 écoles pilotes chaque année et bon pour année ça n'a prend 4 écoles pilotes dans 4 communes pour que nous commencer avec pour que nous continuer avec ça l'éducation environnementale là. Parce que l'éducation c'est base l'homme n'a fait éducation on fait seulement éducation n'a fait activité physique aussi ça veut dire on fait formation pour élèves là mais le participer tout dans planter puis bois dans corriger la vie dans tout bagage ça. Pour qu'on y a là, dans le département, c'est qui ça a fait là, qu'on y a, dans ce qui est environnement. Bon, ok. Dans nos jours, dit, ça a fait. Nous avons un centre de place à construire. Nous avons deux partenaires, par exemple, si nous prenons Balimbé, nous avons un partenaire qui a mis en place avec nous en pépinière communale pour que nous mettions de forêts communales. Il y a plusieurs types. Il y a des forêts à vocation écotouristique. Par exemple, limonade dans la zone Fossé Capois, nous allons mettre en place une forêt à vocation écotouristique. Nous à peine dans ces études là, n'attend gien de films qui bidé pour faire études pour nous mettre en place un forêt à vocation écotouristique. Son forêt qui permet mairie yo rentrer l'argent mais qui permet nous valoriser acquis touristique que nous gien dans zone yo. Et nous prévoir faire dans toute zone touristique qui gien dans nord. Par exemple,
nous commençons à identifier tes plein du Nord, nous commençons à identifier tes grandes rivières dans zone Cormier, et nous commençons à réunir avec notre partenaire, avec Mério pour nous identifier tes. Nous gagnons aussi de forêts, de vergers communaux. Vergers communaux, c'est des bails que nous avons mis en place avec la mairie. Avec la mairie et avec yon fondation pour le volontaire, qui n'a pas l'argent, mais qui pour le volontaire, yon fondation à Richal, qui identifie déjà, si je prends Saint-Raphaël, nous identifie 13 hectares. Nous prenons l'Imbé, nous identifie 5 hectares. 5 hectares. Et pour l'Imbé, pas trop longtemps, nous avons mis en place un verger communal. Là. Verger a plusieurs importances. Première importance, c'est que nous ne pouvons pas planter pied bois pour nous planter pied bois. Verger pour produire fruits, nous pour responsable gestion verger pour vendre fruits, pour mettre plus fruits disponibles pour mon brunch, etc. Deuxièmement, nous participer aussi dans protéger l'environnement, dans épurer l'air, dans mettre oxygène disponible pour mon respirer, etc. Ça veut dire nous verger, notre objectif nous faire verger, c'est objectif un pour améliorer sécurité alimentaire, deuxièmement pour protéger l'environnement. L'autre bagage nous gagnons, nous appuyer certaines organisations locales, par exemple Simpoint Cap Vert, qui travaillent dans sa nouvelle gestion des déchets. Gestion des déchets dans les villes. Pour ces déchets biodégradables que vous avez transformés, pour vous faire compost, pour vous aider les gens dans la ville à faire sa nouvelle agriculture urbaine. Faire manger sous tête caillou, dans matériaux de récupération, etc. Pas ça aider nous faire qui ça. La aider nous réduire déchets biodégradables, mais la aider nous réduire des déchets aussi non biodégradables. Pourquoi? Comment on a réduit déchets non biodégradables? Parce que côté nous pour aller mettre compost pour nous faire manger sous tête caillou, c'est des déchets non biodégradables que nous avons réduit tout. Nous gagnons deux travaux que nous avons fait avec direction départementale de l'agriculture. Agriculture, comme c'est des secteurs qui sont très proches, pour que nous réunions avec tout acteur qui travaille dans l'environnement de l'agriculture pour nous harmoniser l'action dans le souterrain. Nous faisons une première réunion déjà. Nous faisons une première réunion qui est faite à Satama. Nous avons ensemble des discussions qui sont avec acteurs. Nous avons une deuxième réunion à planifier actuellement. Nous avons réuni informations qui gagnent chaque acteur. Par exemple, qui sont faits, dans qui zone on fait. Et pour nous garder, et si il y a des acteurs qui gagnent des activités qui ont fait dans la même zone, comment nous faisons plus pour nous bénéficier à l'activité. Si on va pas dire la dire que c'est Gisèle. Bon, en termes de à vos perspectives, il y a d'autres bagages encore. Par exemple, si on prend air protégé, par exemple, on prend Bed Lacule. Nous te joignons un personnel qui t'a coupé mangrove. Nous, le ministère, t'a balayé une lettre d'injonction pour que l'aller dans la mairie a coupé mangrove pour qu'il fasse une construction. Nous te balayons une lettre et t'as dans la mairie pour aller dans la mairie pour que. Mairie interdit de faire construction parce que l'espace est un espace ministère de l'environnement, c'est un espace protégé. Heureusement, avec mairie, avec appui mairie, avec juge de paix qui était dans la zone, nous avons pour backup la police, nous avons bloqué la construction. Actuellement, dans la question air protégé aussi, nous gagnons Citadelle. Mercredi prochain, il y a installé son bagage multisectoriel qui gagne ministère de l'environnement, qui gagne IT et ministère finance, qui gagne ministère tourisme, qui gagne ministère culture et qui gagne ISPAN. Il a installé un comité provisoire sous gestion PAC Citadel. Qui a installé ce comité provisoire qui a fait des activités sous gestion PAC là. Pas oublier PAC Citadel là, son PAC qui est en mission surface de 25 à 27 km2. Et qui sont quatre communes parmi communes, c'est Dondon qui gagne plus, qui gagne presque 64% de parc là. C'est-à-dire, nous travaillons comment Dondon même nous avons identifié un espace de 7 hectares pour nous faire une forêt à vocation écotouristique. Parce que c'est une zone qui est pleine de grottes, qui ont un ensemble de bagailles qui amènent nous. Hier même, nous étions Dondon dans le festival des grottes là pour nous garder qui opportunité touristique qui gagne Dondon. Et ça nous gagne en perspective. Oui, et pratiquement, un comité pilote a déjà en place parce que le ministère a déjà avoué Mounio déjà. C'est seulement lancer la plan ces comités mercredi prochain dans la citadelle. Et d'autres activités que nous gagnons, bon, en termes de bon garder perspective là, nous gagnons, par exemple, nous avons gardé avec plusieurs communes, parce que nous n'avons pas tout ensemble en termes de moyens, nous n'avons pas de moyens, pour que nous fassions de plans
même j'ai gagné plan de développement communal plan de développement communal yo, c'est garder avec eux comment nous ca faire de plan de gestion d'environnement. Et parmi communes qui que n'a commencé avec et comme commune pilote, c'est la Cule, c'est Limbé, c'est Balimbé. N'a commencé. Et puis d'autres nous prévoit aussi appuyer agroforesterie dans zone là à travers quelques partenaires que nous en discussion toujours nous pourrons qu'à conclure. Même qu'on est ministère à travers arrache-pied, le ministre Simon ou à travers arrache-pied pour que activité nous avance. Nous gagnons aussi deux projets que nous dévoyons, des idées de projets pour caravane qui gagne des activités qui pour vous faites. Nous pensons qu'il y a des planifications qui a fait pour que l'activité commence. Un dernier message? Bon, dernier message, moi, c'est à inviter tout le monde dans le Nord pour participer dans gérer l'environnement. Parce que si nous pas gérer l'environnement, nous tout à mourir. L'environnement, c'est patrimoine, son patrimoine mondial. L'environnement, c'est affaire tout le monde. Le monde qui l'a gagné, fatra l'aide de l'eau passer là, il bouche tout et goût à Piba, l'aide de l'eau remonte et retourne la caille. Ça veut dire pas que le monde qui est pas épargné. Côté riche, côté pauvre, et côté mulat, côté noir, côté côté haïtien, côté n'importe l'autre, quelle que soit la mauvaise action faite dans l'environnement, l'a pas affecté tout le monde. Eh bien, nous demandons tout le monde, nous t'arrêtons. D'abord, objectif direction départementale là, et ministère même, c'est transformer tout haïtien en éco-citoyen. En éco-citoyen. C'est-à-dire, transformer tout haïtien vers la protection et la meilleure et une bonne gestion de l'environnement. C'est ça. Là, nous passons en revue ensemble le travail qui est réalisé avec le ministère de l'Environnement dans le département Nord et travail tout cap bien pour réaliser dans le jour qui va venir là. Et très certainement, ça nous capable de regarder la propre image pour vous. Et le directeur départemental là, tu as parlé de Saint-Jean-Mauplace qui a fait la zone Grand Prix. Et très bientôt, Saint-Jean-Mauplace est opérationnel et il retourne tout sous décision qu'a prend pour permettre à Anissa reboisement tourner en matière obligatoire. Ça qui va commencer à faire si vous nous et bien, porter contribution payo hein jouer partition payo dans construction pays très certainement. N'a toujours été dans question environnement puisque c'est une non volet et caravane que ne pas de négliger d'ailleurs quelque chose en affaire fournir espace là et si espace là menacé ben, c'est sûr que c'est la vie messie à terre nous besoin de travail chaque jour qui joue pour nous et ben et prendre des décisions qui aillent dans le sens protection environnement nous. Nous parlons avec le directeur départemental Nord-Est, Serge Louis-Jean, qui lui-même tout pral dit nous dans le département par là, qui ça ministère environnement a réglé, ça a déjà fait, ça a fait kounia et ça a pral gagné pour faire dans le jour cap vini la yo. Il t'a répondu une question collaborateur nous yo, Richardson Jourdan et puis Laurent Darly Jean-Jacques. On a suivi ça. Jean, c'est directeur départemental, ministère de l'Environnement, Nord-Est. Donc, on est ministère, ça, c'est un ministère qui est impliqué dans les affaires caravane changement. Dis-nous qui ça a déjà fait dans le département Nord-Est. Et ministère de l'Environnement dans Nord-Est, avec la présence du ministre Simon, on dirait qu'il y a un peu l'action et un peu de grande vision qui est déployée. Notamment, on a dit nous à toute franchise, dans la grande action du ministère de l'Environnement a fait, la sensibilisation environnementale, c'est un gros exploit. Et dans tout grand coin, dans le pays, nous, et même dans le département Nord-Est, nous trouvons l'environnement qui est présent. Et à travers des micro-projets et des grands projets, aussi, agent environnement qui est là et qui a montré mon yo, et qui dégâts qui sous tête yo, et si yo pas prend responsabilité en main, et dans la question et environnement par contre, et après cyclone Ima, ministère de l'environnement avec support de PNUD et à projet ABE adaptation basée sur écosystème, ministère de l'environnement t'est déployé t'est mis en exécution avec des OCB 8 micro projets à environ de 5 millions de goudes. Donc et projet ça a été à
aller sur valorisation des terres et réhabilitation de la collinaire et correction bassin versant, correction ravine et tout ça avec comme objectif ou capacité de main d'œuvre. Donc déjà le projet ça arrivé dans Kouyo là en avril. Et actuellement le ministère de l'environnement est avec Mairie et des micro-projets environ de 1 million à 2 millions de gouttes et sous curage ravine et sous gabionnage comme ça pour Mairie, j'ai une possibilité pour travailler pour saison cyclone qui va venir pour retirer les populations à risque d'inondation tout ça. Donc le ministère de l'environnement via et centre de propagation végétale doucement de novembre et 2017 et à Konya nous a distribué près de 320 000 et plantules et dans tout et nord de cela et nous distribuer et nous vérifier que 320 000 plantes de sahayo et il est planté. Donc par contre et le ministère de l'environnement a de grandes visions, de grands projets, notamment des projets de reforestation et à Marion, des projets de reforestation à Kapouti et en plus l'autre projet encore et ce que ce caravane qui est en cours et qui est déjà élaboré, mais malheureusement et problème de financement pour arriver et pour faire nous mettre tout ça en application. Ouais, l'infini de tout ça, on se dit nous que nous déjà fait, mais qui résultat en termes de résultat, ça nous gêne déjà. En termes de résultat et résultat tout bien positif et par rapport et exemple et si nous faisons un petit parcours dans côté projet exécuté notamment à Derial côté population dit par rapport à l'eau convivienne et il va recevoir bien de l'eau de l'eau encore et à Paulette la collinaire et moun yo jwenn de l'eau habitant yo paysan yo ki te gen et les animaux qui la gen trouver possibilité pour joindre l'eau pour boire pour manger notamment à Caracol et rivière Fleury qui connait vaille ville là donc tout risque ça a diminué et puis dans visite nous fait dans exécution et micro projet avec Mario et tout pour témoigner que et yo senti yo dans pour yo parce que environnement vinn pi pour yo connait. Une question environnement, comment ça est dans le département de ça? Nous encore, nous avons de grands risques nous de combler, notamment à Wanamet et la ville frontalière, et qui besoin de propre, qui besoin de gagner l'autre image. Et à Kapouti, dernièrement, nous en visite et la rivière Terre-Neuve et sur la rivière, sur son rivière bilatérale, et qui besoin encore d'intervention. Et m'a regardé et bassin versant notamment Jassa qui besoin d'intervention mais j'en dis là nous tout projet ça élaboré dans plan ministère environnement qui nous soumet déjà donc n'a pas notre axe et caravane pour nous mettre maintenant ouais. Mais pour qu'on y a c'est qui ça n'a fait dans le département de l'Est et puis qui ça nous gagne en perspective et pour qu'on y a n'a renforcé centre de propagation via un support de et PNUD avec et projet ABEA qui c'est adaptation basée sur l'écosystème. Nous allons renforcer la production. Nous avons passé à 800 000 à 1 200 000 plantules. Donc, ça, nous avons une capacité pour nous supporter l'école. Jean président de la campagne. Et Jean, ça vient de nous dans le plan gouvernement pour nous battre, pour nous atterrir. Et pour nous bailler au CBO, pour nous bailler l'école. Et nous-mêmes, tout dans le ministère, pour nous faire des actions de plantation et écouter nous ce qui est nécessaire. Vous avez parlé de l'école, c'est dans le cadre de sensibilisation? Dans le cadre de sensibilisation, et c'est dans le cadre de plantation, on ne peut pas oublier. Et le ministre et le président ont lancé, ils ont élevé un pied bois, ils ont élevé 10 pieds bois. Et si on élève, il va être 10 pieds bois, il a fait 10 sur 10. Et nous-mêmes, dans le ministère de l'Environnement, nous encourageons ça. Nous continuons la sensibilisation et demander les vieux pour planter autant qu'il faut. Et sujet, et c'est le meilleur moment pour nous planter un pied bois, c'est Konya. Et les vieux rentrent dans la dynamique là et ils montrent qu'ils ont un goût pour planter et d'abord planter pied bois. Nous avons un pied bois là, nous avons un pied bois là.
Oui, pratiquement, on a besoin de grande ouverture des classes. C'est un moment qui est favorable pour nous, pour nous planter autant qu'il faut. Donc, nous continuons à supporter, sensibiliser et population en fait partout dans l'eau. Et nous, avec DJ, avec mobile, nous sensibiliser et avec agent, notamment avec direction DEIS, avec agent environnement pour nous montrer mon lieu. Et parce que, dans fait partout dans l'eau, nous connaissons les pêches qui ont un gros fait partout dans la troupe du Nord-Terrier Rouge et Capouti, Mokamel, Wanamet. Nous trouvons un peu le monde dans fait partout dans l'eau. Nous jouons de mouvements ça pour nous mettre mobile de yo, pour nous sensibiliser mon lieu, permettre que l'agent retrouve chaque monde dans le caillou et demander pour vous et parler de l'environnement, demander pour vous planter plus bois, demander pour protéger l'environnement, demander pour ne pas couper pieds bois, demander qui utilise la gain et leur couper pieds bois, question changement climatique, là, qui ça s'appelle changement climatique et tout ça, mon lieu dans l'Odès, commencer à comprendre la dynamique là et nous sentir à rentrer là-dedans. Entre-temps, on a continué le travail dans le bassin Vincent. Oui, entre-temps, on a continué et on a continué, c'est ça, ministère de l'Environnement via et caravane changement, mandé nous. Et c'est ça, ministère. Si mon en toute rencontre de direction yo mande nous pour nous traiter et bassin versant yo permettre que et moins risque d'inondation arriver sous population et n'a travail pour ça. Un message pour population. Message pour population, c'est chaque fois nous pas nous négliger environnement, nous écouter nous cher. Message là c'est en planter, en pas couper. Et chaque fois nous gère les découper et chercher où est le monde qui a plus qu'au point dans le domaine pour expliquer nous est-ce que nous devons couper et si nous devons couper nous devons planter avant. Donc environnement nous c'est pas nous et environnement c'est ça l'on nous faut que nous protéger. Là, nous sommes dans le département Nord-Est avec responsable ministère de l'Environnement, département ça, qui a fait un ensemble de travail, il a fait, dans le ministère. Et puis, perspective, là, encore, donné sous l'idée pour que, en ça, Timounio gagne ça et, comme matière obligatoire. Hein. Et président républicain, on songe dans la dernière inauguration du centre Germoplast et propagation digitale, là, il a fait mention de ça. Et un ensemble de l'autre centre qui va gagner pour inaugurer dans le jour Cap Vignal, c'est tout le département qui doit gagner centre Germoplast Vampire. Et mes responsables la souligné, le plus qu'important pour que il y ait des actions concrètes qui posent pour protéger l'environnement. Alors, très certainement, il faut que tout ça inscrit dans le cadre de vision, ça qui pourrait permettre un véritable plan et le ça, et résultat, il y a un peu probant. On a continué, on a quitté le département nord, ou bien on a quitté le grand nord pays, on a pris la direction sud, et là on peut aller dans la circonscription, et Tobac Chantal, hein, et on peut aller diriger nous dans le carrefour méridien du 6. Une indication que nous avons, c'est la route là. Et pas oublier, les caravanes ont été lancées en juillet dernier dans le grand sud là, et bien, l'objectif là était clair, c'était l'un des objectifs, arriver à porter satisfaction à tout le monde qui vit dans la zone ça. Monde du 6, monde carrefour méridien, monde université, hein, ça qui pourra permettre de circuler et non route qui correcte, ça tout pourra permettre de vivre dans un environnement qui est intéressant et ça qui permet de tout produire sortir dans un point y a dans l'autre. Week-end ça, collaborateur nous Michel Joseph te font coup de pied pour aller fournir regarder qui ça qui a fait dans la caravane dans la zone ça, Cafou méridien du 6, image vini ensemble avec vous nous allons regarder qui vient ça y est pour Cafou méridien du 6.
route là a fait le qu'il y a tout canal à nettoyer pour deux pas rentrer sur asphalte là. Actuellement là on commence à attamer 2 km. Si tu veux travailler bien, attends toute personne à travailler. Axe fini à n'importe 7 à 8 cm. Mais c'est pendant que EPCA c'est 10 cm 10 cm avec un battage réduit à 7 à 8. Après autant de que pour de l'eau passe bon, donc tout est rentré moi à faire dégager là et bien ça. Nous sommes très mobilisés, nous sommes très contents en pile. Nous avons fait ça 100 ans, nous n'avons jamais eu une histoire comme ça. Depuis qu'on a dérapage, nous avons toujours ciblé les gens pour faire des zones sur la route. Parce que ça ne pas mêler avec gaz et amener avec du feu. Le travail est très, très bien là. Ce qu'on a moins travail là, c'est un bon travail qui a commencé là. Parce que moi, j'ai une grande activité. On va faire ça pour les machines, pour marcher tout partout. On va faire grand non, ça c'est une grande affaire qu'on a là. Ça c'est grand affaire. On a pris ce travail là. C'est le gouvernement ça, qui a pour nous travailler ça. Je ne dis pas ça, je ne vais pas l'autre encore moi-même. Quel gouvernement ça? Ça veut dire depuis que la route ça là, c'est pour la première fois l'asphalte? Pour la première fois, pour la première fois. Même nous, bon travail, pas de courant cette là-dedans. Depuis le gouvernement ça, les pas être là, mon cher, tout le monde content de ce travail là. Parce que ce qu'on y a là, nous avons travail. Cher, c'est excellent. Bon encouragement. Et bon encouragement et félicitations tout. Président, bien content, félicité pour travailler ça à la fête là, oui, parce que depuis en 90, ma beauté, je suis pas de nos présidents pour travailler dans la zone là. Je vais travailler ça à mon président, je vais me féliciter dans la fête. Quoi de faire, mon qui est passé, pas de jambon de ni président, ni sénateur, ni député, pas de jambon de. Et sous gouvernement, ça me vient une chance là. D'avoir souhaité pour le renouveler le mandat toujours. Avec tout débité, tout sénateur, tout magistrat. Le président m'a un gros chapeau pour lui parce que je remercie l'empile. Depuis que je me lève, je me suis toujours dit à faire ou parce que je n'ai aucune activité que tu as faite. Mais n'entends pas nous, n'entends pas tout le monde, nous sommes contents en pile de ce que tu as fait. Moi, je me félicite l'empile. Là, c'était tout seulement que tu es là-dedans. Les gens la pris, ils ne peuvent pas marcher là, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas mettre sous l'ampio pour aller à l'église, ils ne peuvent pas sortir, tellement de la pâte. Bon. Depuis que je me suis dit, mon route ça là, et que je vais faire le bas de jambon café. Je dis à la nous, le président, venez faire le route là, ça pour nous là, mon cher, nous comptons en pile en pile. Et après ce gouvernement, nous demandons de bon Dieu pour bon Dieu marcher avec, pour aider, pour route ça seulement le faire pour nous, je vais en pile la prestation. Je remets le tout en pile et je prie bon Dieu pour lui tout. Parce que pour route ça, tellement je suis content route ça. Nous vraiment apprécions parce que même au niveau de la motocyclette que nous avons, parce que parcours vient en pile dans nous, il épuise nous en pile. Et même pousser pour ça n'a pas duré là-dedans, la motocyclette pour faire 2-3 jours. Et nous remercions ces présidents pile en pile pour ça le bon nous. Nous comptons en pile de route là qu'on fait là. Parce que route là c'est une nécessité de. Et nous avons regardé pour son route ça, ce petit café méridien pour monter du 6, c'est une route qui est tellement rentable. Donc, là, on a regardé le marché du 6. Nous connaissons, c'est le troisième gros marché que nous avons dans le pays. Et puis, route ça, ça fait longtemps. Route là, l'autre là, c'est le problème. Soleil, c'est le problème. Nous ne sommes pas capables de voyager, passer dans route là, vrai. Donc, l'air fait route là, pour nous-mêmes, c'est une satisfaction. Et nous sommes vraiment contents de route là, qu'a fait là. Je m'apprécie l'empile parce que. Et au niveau, pendant Namaya, D6, Chantal Bois-Landry, nous avons toujours un problème. Parce que presque toute machine, lorsque Port-au-Prince, pour jouer nos machines pour venir ici, il y a des routes là-bas, bon, il va aller venir. Mais quand il y a à l'aide des présidents Jovenel, mon cher, je me sens content, il est bien nous, parce que nous avons une route là, sur asphalte, nous avons marché là. C'est ça, ma boue, dit président, m'a dit merci pour tout le travail ça a fait. Parce que tout président qui passe, il n'y a pas de jamais fait nous bailler ça. Pour nous, c'est le président Jovenel qui va nous chasser tranquillement. Nous. Président, je vous remercie en pile parce que dès que moi, c'est vous qui fait route ça pour nous, parce que toi, les misères qu'on peut passer pour la pluie, pour l'eau, dans la route là, je regarde, nous, je vous remercie, je me sens très content. Et je demande de mon Dieu pour vous, pour une grande victoire sur vous, pour demander mon Dieu, pour prendre un deuxième mandat sur ça fait pour nous, parce que je suis tellement content. Mwendo, merci.
Kayo qui a avancé dans la zone d'ici, et puis Carrefour Méridien, et bien population qui est d'accord et pour travailler fait et encourager pour travailler pas campé. Alors là, il travaille à un certain moment, et bien il y a un petit problème, mais là, il vient de voir l'image de ce dino là, il a recommencé, il souhaite recommencer pour de bon, et avant longtemps, le monde du 6 gagne outio et est capable de circuler libre, ça qui pourra permettre de voyager dans plus bonnes conditions, et ça tout qui pourra faciliter ensemble de production. Zone ça, arriver sorti du 6 pour aller l'autre côté et laisser assez l'argent cap d'entrer dans la poche mounio comme ça doit. N'a pas avancé avec image, n'a pas avancé avec sa cap fait souterrain, n'a pas avancé avec précision responsable chantier, mais tout le monde dans la population. Hein. N'a pas pris direction département sud-est, quoi, il est là, pour aller la colline et pour aller qui j'a caravane de changement fait non et localité ça, nature travail qu'a fait et importance travail ça a gagné et qui ça est ça capable porter en termes de changement réel pour le monde qui vivent dans la localité ça. Image à Vincouni. On ravine les mauvais temps, li ba en pile l'eau. Ça veut dire que le travail la cap fait là, son bel bagalier, nous comptons en pile pour ça cap fait là. Parce que la paix des populations, hein, parce que l'aide de l'eau a descendu en pile de travail. Nous comptons pour le président, travail là, la fait à bel bagaille. Ni route là, tout, toutes ces belles cap développées, zone là, tout si de la net. Parce que belle bagaille, nous comptons pour de l'eau à tout, l'aide de l'eau à venir, le gravage à des mondes en pile. D'abord, il y a commencé à la bon. Ça me t'a souhaité. Dans mes travaux, le gouvernement a fait à lui-même. Depuis qu'il est capable de marcher, il est bon. Et il t'a fait. Je me suppose qu'il est capable bon pour payer. Et ça, c'est même t'a souhaité. Et pour petit l'avant nous n'avons pas de problème avec la caravane qui atterrit dans l'avant nous pour bel travail à faire l'avant nous. Le travail a fini, si on commence à passer, nous avons travaillé à restaurer, travail à la propre choc. Bravo pour TPTC. Nous sommes dans la zone Waka, et comme on est là, c'est un côté de la ravine qui passe là, grand pile de convini. Et nous avons fini de faire des maçonnerie au canal là, qu'on a fait le radio là, c'est le ferrage qui a fait là. Et nous avons fait le ferrage canal là pour nous consolider le travail, pour nous protéger le travail. Donc ça veut dire que nous avons traversé la route là pour l'autre bord. Donc ça veut dire que nous faisons le canal pour Kimbeli. Et nous avons prêté dans le chemin là. Nous mettons le dans le chemin pour le rester là, pour ne pas endommager la route que nous avons construite ici là. Et c'est même travail ça, on a fait tout, on a fait travaux de dénage sur toute route là, tout, c'est juste pour nous capables de consolider le travail que nous faisons. Nous avons fait un canal ça sur 500 mètres jusqu'à ce que nous venions sur toi là. Non seulement protéger la route là, protéger la propriété, mon mieux boy siato, protéger mon mieux boy siato. Parce que les gens, l'aide de l'eau descend, les wakarel ça descend, ils ne sont pas capables. Si ça tire là comme route là, ils ne sont pas capables de la donner là, puis tomber. Donc ça veut dire nous protéger route là, même temps nous protéger route là, nous protéger la propriété, mon mieux, et puis nous protéger la population.
Je ne comprends rien, chaque localité, chaque commune, chaque circonscription gagne une spécificité par eux. Et le problème qui est dans la circonscription, ça n'a pas forcément un problème qui est dans la circonscription. Maintenant, c'est en fonction de problèmes, c'est en fonction de réalité mieux pour que gagne des solutions, pour que gagne des réponses ou bien des interventions qui arrivent faites. Je ne tape celui-là pour Ravine la Colline. Nous avons des travail qu'a fait pour que ça fait important. Ce travail qui est sur la communauté pour le monde qui vit dans zone ça et qui ça ça capable de faire en termes de différence pour zone. On a quitté la ville de la colline, on a toujours été dans le sud-est. Là, nous allons aller à Caille Jacmel. Nous allons regarder ensemble avec vous qui ça qu'a réalisé dans la zone ça, qui travaille, équipe caravane a pu faire, qui importance travail ça a gagné pour le monde qui vit dans Caille Jacmel et qui ça ça capable de porter en termes de changement, qui ça ça capable de faire en termes de différence pour le monde qui vit. Je ne pas oublier, c'est ça l'idée. Hein. C'est traîner caméra, traîner micro nous pour que vous-même vous fassiez une idée claire et nette de qui ça équipe caravane a réalisé. Pour qu'à Jacques Mel, on a le voyant qui s'est capté. Objectif nous gagne pour travailler ça, c'est un projet 7 km de route que le président lui-même était déjà venu à bord ici, était certifié que mon projet à son projet doit réaliser, que nous sommes très positifs, que nous sommes une priorité pour la commune. Nous même nous là comme technicien et comme habitant zone Nanto. Et n'attendre par rapport avec objectif gouvernement gagné automatiquement pour faire genre d'activité ça dans le pays. Hein. Parce que l'activité ça qu'on est dans tout pays tiers mondial automatiquement, on ne va pas parler de développement, ça ne va pas parler d'infrastructure ou tiers. Que nous-mêmes, nous toujours traités très positif. L'appelé à venir, de l'eau dans la rue, c'est mal arrêté, après ça, quand il pousse dans la route là. Nous voyons comment ça fait qu'à niveau, mais on a assez route en Aptan. Route là, pas de bon pour monter la coupe Félix, pour monter en les magasins, n'est pas de bon du tout. Jusqu'à présent, route la vigne soit là. Moi, en tant que chauffeur taxi, moi, mais ça en pile. Et je souhaite pour tout l'autre chauffeur taxi, vous êtes capable de féliciter les députés. En tant que citoyen, moi, c'est un bel travail. Parce que j'étais ancien et route la patte élargie. Ok, mais qu'on y a là le développement qui a fait. On a dit son bel travail. Pour ça là, il y a quelques temps pile dans là. Pour la graver, il y a pile dans là, moment là qu'on y a là, depuis qu'il y a un bel développement dans la zone là. Sans d'avoir, nous avons un bel hôpital dans là. Ensuite, nous avons une usine dans là encore. Dans la main, pour que tu arrives bon, l'usine dans là, puis toujours. Je n'ai gagné 57 ans dans la zone là. Et ça que vient fait là, c'est un bagage que nous avons souhaité depuis le temps pour le faire. Zone là, c'est une zone que nous avons besoin de ça. Parce que en tête dans les là, on usine, on hydro. Comment ça veut dire, manquer route pour là, donne. Parce que si vous là, t'avais une fête, t'avais une rivière conclue, au fond, route, on va soit en bétonnage ou bien on va en asphalte, on va être très bon pour nous, Kajak Mel. Ça fait un grand plaisir. On va nous souhaiter ça, nous t'a souhaité, au moins, pour que vous êtes toujours, comme sous même anglo, on va pour continuer avec nous, Kajak Mel, comme nous autres zones critères pour faire quelques bouts de béton là-dedans ou bien asphalte quelconque. On va nous t'a souhaité, même lorsque il y a la
Ça c'était pour Kay Jacmel dans le sud-est, n'a toujours été sud-est, n'a fond bon site dans sud-est en soya. Et puisque il entend parler, il aller nous aider et nous permettre de garder localité yo, quelques zones dans département ça, commune qui vient ça y est, qui ça cap régler, qui ça cap fait et qui gens n'est-ce pas vrai caravane arriver dans zone ça. N'a parlé quoi la Lamandou, hein, qui ça prend direction Lamandou et là avec collaborateur Wilson Idoré, nous allons regarder exactement qui travaille qu'a réalisé dans niveau Lamandou. Importance travail ça y est et qui gens population lui-même l'y approprier parce que au final c'est population qui pourra les bénéficier du travail là. C'est grand bénéficiaire là, c'est population hein, et c'est ça fait le plus important pour que pendant le travail a fait population approprier le lit, fournir regarder, faire remarques si nécessaire, garder avec technicien sur place pour que ça dit effectivement c'est ça qu'a fait et nous autres au niveau de la TNH n'a fait nous le devoir chaque week-end pour nous regarder et permettre où exprimer où et permettre que voir arriver côté d'où arriver dans l'idée pour que ça doit faire objectif qui t'est fixé pour que c'est yo effectivement qui arrive à atteindre dans logique résultat dans logique pour que différence faite dans logique pour que changement réel arrive dans la communauté au tout bon vrai. Alors les cap Lamandou qu'on y a avec l'équipe nous qui était sur place week-end là pour nous fournir regarder ensemble ça qu'a réalisé. D'abdominant dominant route là et important parce que pour jouer taxi c'est pas faire la machine on a passé qu'on ensemble avec nous pas une côté pour nous passer la félicitations pour vous la remercier parce que vous toujours gagner la balade parce que coûte chaque côté et vous toujours vous sur province surtout parce que gagner plusieurs côtés dans province qui besoin route toujours moi j'aime moi nego démarrer là nego démarrer en pleine forme je content ça qu'a fait là parce que j'étais parlé nego mal en pile là dans sud de ça j'aime bien bien content en pile en pile en pile en pile ça qu'a fait moi moi remercie l'état ici en pile le lendemain les nous te qu'on fait zone là bon sont des gens des gros trajet là la pluie a tombé la boue de l'eau nous pas même capable même qu'on y a là moi son bel travail à faire là parce que depuis dans tant de route ça fait le fait les papa attend que j'aime un gros travail ça c'est qu'on y a moi gros vraiment font gros travail dans zone la bido là m'a vraiment dit comme vraiment gros merci pour traiter travail la fête dans zone la bidoua là d'abord j'aime moi travail là démarrer là moi son bel mouvement et me féliciter tout en tête qui met ensemble comme si pour travail ça qu'a fait là parce que d'abord moi j'aime dire route là t'es al pas bon même bon changement fait son bel bagage me féliciter tout le monde qui met ensemble et toute volonté tout qui met ensemble pour faire route là parce que les route là fait là nous tout la donne li bon pour nous tout ni piéton ni qui tout bon d'abord moi Jean route là était là auparavant il puis ou la loi gratte Simon là la, même moto pas de monter à pied pour descendre on voit si tout le monde qui gros ventio mon gros session yo dit choc là bas bon pour route là bas bon mon mais qu'on y a moi l'autre l'autre gens là route là pas bon même depuis la pluie tombée mon pas passer de l'eau pile bagaille dans zone là on va pour mon pas seulement même sous moto pour pas passer m'a bien aussi si ça que c'est meilleur travail qu'a fait dans zone là
Parce que zone t'a souffert en pile pour travailler ça. Mais travail ça vient démarrer là-dedans, regarde que bon, c'est super. C'est one love. Les machines basées là, machine dans salle noire poussière, ça fait une. Les barres là, de l'eau tombe, elle descend là, puis elle tombe. Nous pas de moyens, même pour nous jambes, pour nous jambes, pour nous prendre un bon arbre pour nous coudre là. Mais ça fait longtemps pour nous décarrer ou de la bagarre, mais tout autant qu'on a mis, il y a pété, il y a mis, il y a pété, il y a pété, il y a pété, il y a pété. Ce jour, je dis à mon budget, on va essayer de faire la dernière. Parce que chaque jour, nous levons le bon Dieu, on est pour nous dans l'air, mais c'est une force pour la santé, pour nous satisfaire. Là, ma première c'est gouvernement en pile le des qui les facilite nos routes là même les routes là beaucoup fini c'est qu'à niveau y a fait mais me féliciter en pile ni mais c'est pété c'est quel que soit le monde qui est route là. On a quitté la Mandou, on a pris la direction Fonjean-Noël, toujours dans le département sud-est. Et là, c'est le même exercice qu'on a fait. Exercice qui consistait à garder ce qu'on a fait, à permettre même tout comprendre ce qu'on a réalisé. Hein? Et puis, ouais, qui ça, ça capable de porter tout bon vie en termes de changement pour la communauté. Je ne suis pas sûr, et je veux dire, un ensemble de efforts de fête pour que août, il y ait fait dans un pays, pour que gagne de l'eau, pour que gagne courant, n'est-ce pas? Parce que si nous voulons rentrer dans la logique de développement pays, ça est vraiment le plus qu'indispensable. Et c'est ça que faut adouer. Et c'est ça, n'est-ce pas vrai, et qualité engagement qui prend, c'est dans ce sens-là où nous devons aller. Et c'est ça, tout nous-mêmes, nous devons fournir, regarder, ouais, est-ce qu'effectivement, c'est ça qu'a réalisé, et si vous avez des remarques que vous faites, Jean et mon population félicite, si vous avez, n'est-ce pas vrai, des notes qui méritent corriger pour que correction pote, parce que au final, c'est pour Haïti et c'est pour le bien de Haïti. Donc, tout ça n'a fait, faut regarder intérêt pays à la donne. Chaque action n'a posé, chaque geste que n'a fait, chaque engagement que n'a pris, chaque parole que nous décidons la guerre, faut où est Haïti dans tout ça. Et c'est, si intérêt Haïti la donne, en avance, sinon, nous avons besoin de faire back, nous avons besoin, n'est-ce pas vrai, de la réalité, de la n'est-ce pas vrai, et situation. Alors, comment ça y est pour les gens qui vivent dans la zone de Fonjean-Noël avec la présence de caravane, qui ça a réalisé, dans quel niveau le travail qui a fait hier, journée, jeudi, et qui j'aime dans la zone de Fonjean-Noël comprendre la présence de caravane dans la zone.
nous travaillons là bien bien bon pour cette zone là parce que manquer route là en pile n'a dit que nous mon continuer des fois pour ben l'autre moto passer comme camper pour camper pour balbasser route là coincé en pile c'est bien bon ça m'a pour dire travaux de continuer nous dit gouvernement continuer ça c'est que bon même pour ta passer la dernière faut que c'est coincé pour une moto t'es qu'à coincé aussi bien une machine d'où t'as venu une t'es qu'à camper ou ben l'autre là passer après ça pour ta passer mais qu'on y a une zone délivrance là qu'on y a moins de moto à courir aller tourner sans réfléchir sans panique moins senti mal à l'aise parce que et tout le temps que nous te dans salle mais qu'on y a le mettre nous non propre moins senti merci l'empile vous comprenez parce que premier travail moi qui fait que dans sentiment parce que tout en étant pas maintenant nous là pas de fait mais je dis à nous fait nous du monde dans capital là nous dit merci beaucoup de merci Dieu le sac à pleurer pour rejoindre la clé. Moi même pas si on courir dans nuit. On va une cabine à l'aise, un moto qui prend mon à l'aise. Là. Pas grand faire dans session pas même. Même ça qu'il fait de travail la cafette là parce que bien longtemps nous t'as marché notre isilé. Mais qu'on y a là la persi a grand terrasse dans zone là. Terrasse là il est bon pour nous tous. Ça fait la boue pour nous tous, tenez pas clair dans nous, mais on doit les prendre. On garde la machine pour nous, on peut être à côté, on va la voler. Mais si pas grand route, on va mal pour aller. Travaille là, bel en fil, parce que ça fait ça. N'importe ça, bagaille là, la libre. Parce que en mode où tomber, c'est plus crasé. Mais de vous tomber, vous n'avez pas, ou pas grand, hein. Moi, mes travaux en fil. Nous dit le président Jovenel Merci qui vient avec gros décision ça parce que il y a travail pour les élus. Parce que tout candidat yo, ni magistrat, ni député, ni sénateur, pendant qu'il a fait campagne, tout peuple a dit que m'a pas gain route, m'a pas gain route, m'a pas gain route. Gouvernement vini avec une décision, li créer forme travail ça. C'est-à-dire que l'a aider les élus qui connaissent bien problème qui a demandé route, libère route. Son premier merci que m'a dit gouvernement avec travaux publics. Donc, bel travail ça a fait là. Pour nous-mêmes, que paysans contents, président prend un mesi tout, le pape crase kaimoun comme ça, uniquement si vous prenez 2 mètres ou bien 1 mètre et demi dans kaimoun nan, c'est moun nan uniquement qui pour craser parce que vous pas mettre matériel pour craser kaimoun nan. Donc, ça c'est un premier pas. Donc, moun qui pense c'est un travail mal, moun sa ke, li pas réfléchi. C'est un bel travail qu'a fait dans la commune nan, nous pas de bien route, tout la route his, et c'est que, nous capables de dire, même si qu'il est ou non espace, non coube, qui j'y soit vini, moun pa oué ou, qu'on gagne ou moun capable de masquer bas en coutouche. Donc, à cause de la vine là, il est ouvert, tout, éclaircissement est vine facile, visibilité est vine clair. Donc, pour moi, et pour paysans en dans, commune Margot et enfant Jean-Noël, nous disons merci.
Direction La Montagne, quoi, il est là, toujours dans le département sud-est. Pas encore longtemps, et après l'inauguration de l'école professionnelle là, dans le niveau Jacques Pell, le président Jovenel Moïse s'est fait un coup de pied à La Montagne, puisque tu as un ensemble de travail qui est démarré pour faciliter la connexion de La Montagne à l'autre zone dans le sud-est, là, l'autre zone qui est dans Jacques Pell particulièrement. Week-end ça, nous te font tourner pour nous regarder. Est-ce que le travail est fini? Et sinon, qui ça que t'es pour faire? Et qui ça qu'a fait qu'on y a pour que, n'est-ce pas, moun dans zone vraiment, et fait que produire ceci, non, point à l'autre, et qui la population comprenne le travail qui est déjà fait, et attention, par rapport à l'autre problème que estimé, et localité ou a fait face, et qui t'a mérité des solutions qui portaient là-dedans. Nous parlons tout ça avec les collaborateurs Wilson Idoré, qui te font coup de pied, La Montagne, week-end ça. Télévision nationale d'Haïti. Allez, regardez. Voilà, nous retournons, semblé toute disposition pour que nous allions à La Montagne, James. Oui, bon, dès qu'on est d'après aller pour La Montagne au prochain niveau, mais semblé tout arrangement fait. Pour que nous ayons une image La Montagne avec Wilson Idoré, j'en ai souligné tout à l'heure. Eh bien, le président de la République, là, pas qu'il y a trop longtemps, depuis le fond de pied, pour garder un centre de travail qui a fait dans la zone ça. Parce que l'idée, c'est ça, tout, c'est permettre qu'il y ait une connexion entre communes, une connexion entre localités, et la facilité de transport, la facilité de tout, la production, écoulée, et l'argent capable de vivre dans la poche communes correctement. Comment ça y est pour La Montagne? Vous voulez solidarité pour apporter image pour nous? C'est voilà, là, mais content, avec ici, on ne peut pas et qu'on peut toujours et on qualifie pour ça. Ouverture route là, c'est une très belle activité liée, mais seulement nous voyons qu'elle a avancé à grands pas. Jean route là a l'agi, s'il arrive l'agi comme ça, déjà que la côte de fer, et puis il y a un bon Jean béton sous lui, vraiment population La Montagne brésilienne, Bénin, Côte de fer. T'as dit un gros bravo pour le gouvernement. Moi, son développement pile pour La Montagne. Parce que après août là, nous avions tout bagaille très facile pour nous après août la fin de fête. Parce que moto a eu apmeye cap faire trafic yo. Ou yo apmeye préserver. Le fini, le wap marche au casse les orteils. Mais qu'on y a, nous n'en route. Parce que des motos vont cap passer. Si yo pot chai, qu'on y a, après la vie nouvelle, rive là, nous connaît, on richesse nous. Là, son petit pas, toute machine a baille problème là. Et me souhaiter que là, il pour venir à l'aise, quoi, qui est là. Après, wout ça, nous pas pour bagage ça, dit tout. Auparavant, caoutchouc pas moins, t'es qu'on fait moins deux mois et demi, que t'en chiré. Mais actuellement là, mon caoutchouc là, 4 mois et demi, là, même pas de caoutchouc, beaucoup point caoutchouc, moi, tout neuf. Et depuis le moment, m'a passé gouvernement, première fois, moi, rencontré à un citoyen comme ça. Nous comptons pile pour ça, nous, rap fait, quand même, comme quoi, il m'a gagné en huile, mais petit, moi, j'ai vu quand même. Tu connais un accident, sous l'ian, pile en bâti café. En bâti café, par exemple, fait accident. Qu'on y a là, grâce, après bon Dieu, grâce président, fait accident pas fait encore. Mieux quoi accident pas fait encore. Là nous non route ça, c'est vu retourner depuis de l'eau descend, route pas bon, de l'eau depuis la pluie tombée, route pas bon, de l'eau descend, enfin accident tout le temps. Mais cette fois-ci, nous espérons que n'avons bon route. Yeah, route là beaucoup fait non, route là fait. Nous commençons à vivre ça qu'a fait là. Chaque gouvernement passé l'a fait. Député passé. Et sur route là, le vini. Et magistrat passé sur route là, le vini. Tout ça vini sur route là. Mais ce seul nègre qui vini là, vrai. On y a m'pap di président, non? Mais seul Jovenel qui vini dans la campagne. Qui ouais, route là, monte a été mérité fait. Eh bien, le vini dans la campagne là, lui ouais, et puis le coup là, le vini fait route pour nous.
Eh bien, en moi-même, c'est celle Jovenel tout le café ou ça pour nous. Après ça, je ne vais pas gagner encore. Travail là, en forme. Grâce à la présidente, nous ne pouvons pas regretter. Nous te voter parce que nous, ouais, ça nous te fait balia, il faut te donner manou. Nous disons un gros merci à toute famine qui te gagne, à tout gouvernement qui a sa volonté ça. Et nous disons, président, pas prendre pression. Parce que nous connaissons les gens qui ne pas qu'on fait, les gens qui ne pas fait, ils pas qu'on fait, et ils pas gagne volonté pour le faire, ils ne parlent pas. Depuis le refaire, ils ne parlent pas. Nous disons, mais pas pression et rété. Qu'est posé, que quand ça va passer là, pas occuper le monde. Et conseil m'a voué par le président tout, m'a dit président, question taxe pour faire le pays à traverser, c'est tout pays qui voulait marcher, c'est taxe pour le pays à payer. Bon travail ça. Président fait, mon cher, je suis content pile, et je ne peux pas suspendre le remercier. Parce que nous-mêmes dans la montagne, nous avons un problème. Tout problème, nous, c'était face avec route là. Parce que chaque deux jours, je vois des accidents qui ont fait, mon pied m'a cassé, mon a mouru, mon a blessé. Et je crois qu'il y a plusieurs machines qui roulent en bas là, par rapport avec route que nous pas gagné. Mais quand y a, lorsque vous un petit café pour regarder des halles, ça regarder là, des bon, comme pas dit, grand la cour ça. Pièce ça a coupé à mon cher, pas faire, pas faire bien pour nous encore parce que il va nous compte bien nous. Président va nous compte bien nous. Et moi remercie le président en pile, pas bien suspendre remercier. Et n'a toujours été en collaboration ensemble avec lui, bois Marie ensemble avec lui, nous pas jamais laguer parce que pour grand cadeau ça qu'il fait nous cadeau qui c'est route là. Mon content en pile, moi gentil en pile pour ça la faire, pour ça le continuer faire moi. Mais merci en pile cher moi parce que ça je suis content elle était venir moi travailler maintenant comme les gars ah on un gros garçon pour un gros garçon non un petit garçon a servo moi un gros garçon me dit OK n'a pas de problème me dit OK cher moi bien content depuis elle était venir me dit que t'en remis en pile moi content d'après route là la faire parce que après Jovenel qui t'a fait ça pas gagne monde encore t'a fait tout chef qui passait pas faire rien tout chef qui passait pas faire rien tout chef qui passait pas faire rien là on pas continuer marre nous l'autre président travail encore moi ça commencement ça moins ouil président ça moi même première fois moi nous président qui fait travail ça et m'a vive travail là parce que moi même président ça moi même et moi t'ai trempé droit moi pas trempé droit pour grand merci et mon cher moi ça son plus gros valet pour pays là et on pensait gain l'autre bagaille qui a marché tout parce que pour côté président ça fait bail ça gain l'autre bagaille toujours de parce que président pendant que doit penser de route la montagne là gain l'autre pigo pour nous la montagne parce que ça nous pas de connouel et nous pas de gain squal et nous doit prendre anti de toute bagaille ça yo mais moi et ça tout ça me dit agata ouais nous est son vérité qui tombe parce que président ça il va bail menti même si peuple a parlé a fait toute vieille bagaille qui pas bon moi même moi président ça mon cher et peuple a et on connaît dès que ça moi même m'a donné l'autre bagaille comme ça président ça a fait moi même tout bail moi la bagaille.
réalité, chaque zone a bien spécificité. Chaque réalité fonctionnelle n'est pas forcément réalité la Madou, c'est pas même réalité qui dans la montagne, c'est pas comme ça lié dans la ravine, la colline, vraiment. Et chaque zone, yo, bon, pour approcher question. Yo. Et nous, quand on tout, vraiment, ça veut charger le problème. Vraiment, et là, il est plus qu'intéressant pour nous voir comment on est capable de résoudre des problèmes, yo, résoudre, yo, même si on n'a pas fait tout le bagaille, on se le coup, d'où nécessité pour que vraiment notre travail en pile chaque jour qui joue pour que gagner stabilité dans le pays, pour que la paix capable de gagner dans le pays, ça qui pral très certainement faciliter un ensemble de projets arrivés concrétiser un ensemble de travail arrivés fait dans l'intérêt, bien entendu, population. Là, c'était pour Sud-Est. Nous allons refermer l'émission semaine ça avec un reportage et collaborateur nous, dans la salle nouvelle là, t'es préparé pour nous sous restaurant communautaire dans l'Ouest. Alors, gagner j'ai qui fait pour que restaurant communautaire rouvre après ils ont fait un bon temps campé dans quatre programmes qu'on répète là et ben restaurant communautaire yo il y a pour l'ouvrir petit parti pas dans tout département dans pays là dans l'idée pour capable soulager monde qui pas un gros moyen monde qui pas gagné n'est pas un gros moyen yo pour capable manger sans trop grande difficulté en attendant conditions créées pour que tout le monde capable gagner et qui choisit un proche et fait ça ouvrir avec lui. Et pour l'instant, les plus qui est intéressant pour que bon assistance, bon support qu'a joindre monde qui pipo vio et c'est ça l'idée. On a regardé comment ça y est dans l'Ouest avec la reprise activité dans le restaurant communautaire dans quatre programmes qu'on répète là. Faciliter les gens qui puissent avoir besoin de jouer un plat chaud chaque jour à qui ont des monnaies. C'est le principal rôle du restaurant communautaire qui entre dans quatre programmes assistance sociale et de PEP. D'après divers responsables du restaurant communautaire dans le pays, après un temps, ils ont campé. Le restaurant communautaire a recommencé à fonctionner normalement. Manger au pari à l'air, population déplacée en quantité vient acheter. Je remercie l'autorité pour l'initiative ça qui a eu possibilité pour servir la population. Je souhaite que le restaurant communautaire continue à fonctionner comme ça doit. Nous ouvrons le restaurant depuis 16 mai, 17 mai. Bon, pour jusqu'à présent, on a travaillé kif-kif, nous là, nous manger bien et que mon peuple est content et que moi-même tout moins fier de ce que moi aidé parce que ça pote en pile fruit parce que mon yo vient en quantité en nombre et que yo aimé ça nous ba mon sal vient avec la jeune il va venir comme jour nous ba tout ayé ko peuple la courir nous fait sauce poule. Et puis, nous faisons du riz collé, après, manger bien goût. Tout le monde mange. Il y aurait mes jambes faites là chaque jour, félicitez-moi. Moun qui fait déplacement vient acheter dans le restaurant communautaire, yo, remercie l'autorité dans l'État pour gérer ça qui permet de manger. Bah, petit, yo manger à faible moyen, yo gagne. Yo souhaite programme ça arriver chez tout le monde qui n'a pas de moyens dans le pays. Le restaurant communautaire a une plus importance pour le quartier. Parce que, à $20, on prend 4 plates. Ou bail la famille sur 4 petites. Sur 10 même à $5. Il y a un pile valet pour nous. Dans la zone bois ici. Et c'est tout le monde net qui mange en général. Pagé. Moun a besoin de machine qui vient manger et de peuple là. Je dis merci, bon Dieu existe vraiment. Parce que c'est quelque chose maintenant. On plamène laver l'autre plamène là. Imaginons bien. Regardez tout le monde qui souligne là. Avec 10 gouttes, $3. Ou manger. Selon quelques responsables dans l'État, fonctionnement restaurant communautaire, c'est une nécessité pour les gens qui plus n'ont besoin. Plusieurs ont expliqué, ils ont déjà commencé à consulter, discuter avec divers autres acteurs concernés pour élaborer un document qui définit politique promotion et protection sociale dans le pays d'Haïti. Action ça a visé puis bien accompagner la population, si tout ça a occupé dans besoin jusqu'à ce qu'ils arrivent à répondre à la responsabilité.
C'est là notre campé pour semaine ça. Merci en pile parce que tu es avec nous. Nous devons plaisir faire vivre on ça avec vous. Très certainement, semaine prochaine. On va retourner pour nous continuer, pour nous regarder qui ça a fait, qui qualité de travail qu'a réalisé dans le cadre de Caravane Changement. Restez sous TNH. Dans la semaine prochaine. Bonsoir tout le monde.